Merci beaucoup pour cette introduction et merci à tous pour votre présence et merci à l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier pour son accueil. Donc autour de cette conférence dédiée au mouvement support surface et à tout le contexte intellectuel, théorique qui l'a accompagné et qui l'a vu naître. Alors, en proposant le sujet de cette conférence, je ne m'étais pas rendu compte qu'on fêtait les 50 ans, en avril 2022, de la dernière exposition sous l'intitulé Support Surface, qui a eu lieu d'ailleurs à Montpellier au Centre Lacordaire. Et donc cette conférence vient comme un hommage à ce groupe et à son histoire, bien que bref, qui a eu un impact très fort sur l'histoire de l'art français à la fin du XXe siècle. Donc Support Surface, c'est un groupe qui a une durée officielle de 2 ans, qui est parfois considéré comme la dernière avant-garde du XXe siècle, bien que nombre de ses protagonistes rejettent cette notion. C'est un groupe qui se forme officiellement en 1970 à l'occasion d'une exposition éponyme qui se tient au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc cette première exposition réunit Vincent Biulès, Marc Devade, Daniel Dezeuse, Patrick Sétour, André Valency et Claude Viala. Donc ces artistes seront rejoints, vous pouvez le voir à l'écran, par d'autres protagonistes lors de 3 autres expositions qui auront lieu sous cet intitulé, et notamment André-Pierre Arnal, Louis Kahn, Noël Dola, Tony Grand et Jean-Pierre Pincemin. Donc tous ces membres se connaissent pour la plupart depuis le milieu des années 1960, et une partie d'entre eux s'est notamment rencontrée à l'École des Beaux-Arts de Montpellier. C'est le cas notamment d'André-Pierre Arnal, de Vincent Biulès, de Pierre Buraglio, de Daniel Dezeuse, de Tony Grand et de Claude Viala. Et d'autres ont aussi se sont beaucoup fréquentés autour de l'École de Nice. Et puis, bien sûr, beaucoup se sont retrouvés à l'École des Beaux-Arts à Paris à la fin des années 60. Donc si on a choisi 1966 comme date d'ouverture pour cette... Pour la jeunesse de ce groupe, c'est parce que dès 1966, on voit les prémices de ce qui va devenir Support Surface et les premières expositions qui réunissent un certain nombre des protagonistes de ce groupe, notamment l'exposition Impact qui se tient au Musée d'art moderne de Céré et qui est organisée conjointement par Jacques Lepage et par Claude Viala, et où un certain nombre d'artistes du futur groupe Support Surface sont présents, accompagnés, c'est une exposition assez aussi éclectique, dans les artistes qui sont représentés, on trouve aussi un certain nombre d'artistes qui formeront en 66 et en 67 le groupe BMPT dont je vais parler un peu plus tard. Avant 70, donc la naissance officielle du groupe, il y a d'autres jalons, des expositions et notamment aussi des groupes intermédiaires qui se constituent et dont j'aurai l'occasion de reparler. Donc comme je l'ai dit, malgré la brièveté du mouvement qui se délite progressivement en 71-72, notamment suite à des dissensions politiques, c'est un groupe qui est reconnu dans les années et les décennies qui suivent comme un moment phare de l'histoire de l'art, de la peinture occidentale, et qui a fait l'objet d'expositions dans de prestigieuses institutions à travers le monde. Donc je ne les citerai pas tous, mais dès 1977, une exposition se tient au Los Angeles Institute of Contemporary Art, une exposition à Tel Aviv au Museum of Art au début des années 90, au Japon, en Chine, dans les années 1990 et 2000. Il y aura bien sûr la grande rétrospective aux Galeries du Jeu de Paume en 1998, et puis plus récemment, une grande exposition a eu lieu au Carré d'Art de Nîmes en 2018, et à Détroit, au Museum of Contemporary Art, en 2019. Donc aujourd'hui, si le musée Fabre souhaite mettre à l'honneur à nouveau ce mouvement, c'est bien, comme l'a dit Michel Hilaire, c'est parce que le musée possède un des fonds de référence sur ce groupe, avec plus d'une centaine de toiles et de volumes d'artistes qui sont apparentés au mouvement Support Surface. Donc Support Surface, c'est une exposition qui marque pour le critique autrichien Otto Hahn le retour à la peinture, mais cela avec des moyens radicalement nouveaux. On va le voir, l'utilisation de la toile libre, le refus du pinceau, la simplicité des schémas de composition, la banalité du matériau, qui sont autant de procédés qui permettent de laisser visible et immédiatement perceptible la manière dont la toile est faite. Donc avant de rentrer dans la théorie, je voulais quand même vous montrer quelques œuvres importantes des collections du musée Fabre. C'est bien sûr une sélection très, très rapide et non exhaustive.
Donc là, vous pouvez voir une œuvre de Louis Kahn qui fait partie de la série des sols murs, hein, donc qui sont composés de draps découpés, cousus, qui se déploient sur le mur et le sol, donnant une nouvelle dimension spatiale à la peinture. Hein. Donc ce rapport à l'espace va être très très présent dans les œuvres de support surface, on va le voir. Et donc c'est un artiste qui vaporise hein, d'abord la toile qu'il pose au sol, qui ensuite est pliée en deux, découpée puis redéployée. Donc c'est vraiment dans la lignée de Henri Matisse, hein, Louis Kahn va découper dans la peinture et recomposer. Hein. Donc on a une sorte de décomposition puis de reconstruction de l'œuvre d'art. À côté, vous voyez une œuvre de Claude Viala de 1966, donc 1966, donc la date qu'on a choisie comme jalon de ce groupe, avec donc l'apparition de ce qui va devenir un peu sa signature, hein, cette forme répétée indéfiniment qui s'assimile à un osselet ou une palette. Donc là, on le voit, on a encore les contours très définis d'une forme qui va être ensuite beaucoup plus simplifiée et déposée sur un nombre considérable de matériaux avec des coloris infinis. Toujours pour vous montrer la diversité aussi de ce mouvement, il y a quelques sculpteurs dans le groupe, donc notamment Tony Grand, qui est un artiste qui est décédé en 2005, qui vivait à côté de Arles, à Mouriès, dans le Mas du Mouton, et qui est passé lui aussi par l'École des Beaux-Arts de Montpellier. Donc entre 67 et 75, donc pendant les années support surface, il travaille exclusivement le bois, hein, vraiment dans une logique d'artisanat, où il opère avec beaucoup de virtuosité, des refentes parallèles, de l'écorçage, écarissage, torsion, collage sur le bois. Donc là encore, comme on le voit sur cette œuvre du musée Fab, dans une logique qui est principalement spatiale, et où finalement l'idée c'est de donner au regard les caractéristiques propres du matériau. Et enfin, donc deux œuvres qui ont été acquises récemment, comme le disait Michel Hiller, et qui sont visibles actuellement dans les salles du musée Fabre. Donc deux toiles de la collection de Daniel Cordier, qui sont passées en vente récemment et qui sont d'une série très importante de la série des Palissades, qui suit hein, la période support surface, vu qu'elle date vers 1974-1975, où là encore, hein, comme chez Louis Kahn, on retrouve un travail de découpe du matériau qui est ensuite teinté et qui est ensuite recollé dans une dimension qui est très architecturée, qui peut se voir sur cette photo. Merci Maud. Il me reviendra dans cette conférence à deux voix alternées de présenter le contexte culturel dans lequel est né et a grandi le mouvement support surface. Alors ce thème, notre confrère Marc Jolme l'avait traité à l'Académie en 2004, mais de façon brève, et nous allons le développer davantage cette fois. Alors pourquoi parler du contexte culturel à propos de support surface? Parce que support surface est un mouvement très ancré dans son époque, très imprégné justement du contexte culturel, et celui-ci est très riche, comme on va le voir. Comment le sait-on qu'il est très imprégné de l'ère culturelle de l'époque? Eh bien, par leurs écrits, notamment, parce que ce sont des peintres et ils ont beaucoup écrit. Et d'ailleurs, Vincent Biulès, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir, et aussi Daniel Dezeuze, qui a eu un empêchement, ont bien voulu me confier quelques souvenirs de cette époque-là. Alors, je dis ce contexte est très riche, mais vous en avez un exemple là sur la diapositive qui vous montre quelques-unes des productions culturelles de l'année 1966 qui a été choisie comme point de départ hein, de l'exposé. Donc, dans le domaine littéraire, cinématographique et artistique également. Alors, il faut faire deux remarques préalables. La première, c'est que le mouvement support surface, peut-être de façon différente d'autres mouvements artistiques, donne une grande place à la théorie. À la théorie comme moteur de la création artistique. Et dans cet ensemble théorique qui, vous allez voir, est riche et diversifié, eh bien, il faudra laisser une place importante aux domaines socio-politiques parce qu'il est fortement revendiqué par le mouvement. D'où ce qui sera notre plan de cette conférence. Bien, d'abord,
l'air du temps contestataire qui imprègne toute cette période. Ensuite, eh bien, quelles sont les théories qui sont à la base de ce mouvement contestataire et qui sont revendiquées par Support Surface. Et enfin, la manière dont Support Surface conçoit la relation de l'art et de la société avec sa dimension justement politique. Alors, l'ère du temps contestataire. Mais il faut dire d'abord que c'est un ère du temps international. Dans les années 60, il faut se rappeler, c'est la guerre froide, c'est un monde en tension entre deux blocs Est et Ouest, l'équilibre de la terreur avec la course aux armements, mais parsemé de nombreuses crises et de conflits locaux, dont le plus important, c'est la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam s'intensifie à partir de 1966 et rencontre aux États-Unis une opposition de plus en plus forte dans la population et notamment dans la jeunesse, mais également une opposition dans plusieurs pays occidentaux et la France notamment. Alors à propos des États-Unis qui auront une influence sur la production artistique, les États-Unis eux-mêmes, noyaux d'un des deux blocs, sont traversés par de nombreux remous. Alors, ces manifestations contre la guerre du Vietnam, mais des manifestations également antinucléaires. Le symbole antinucléaire, il est créé aux États-Unis en 1963. Également de fortes tensions raciales avec les Indiens, et surtout entre Noirs et Blancs, avec de nombreuses manifestations de masse, et l'émergence du mouvement des droits civiques et ensuite du Black Power. Manifestations de masse, mais également épisodes violents. On pense à l'assassinat de Kennedy en 63, celui de Malcolm X en 65 et celui de Martin Luther King en 68, un 4 avril. C'est un anniversaire. Les universités bougent aux États-Unis aussi avec de nombreux sit-ins contre la ségrégation raciale, contre la guerre, etc. Et l'historien Howard Zinn parle de révolte générale. Il dit « Jamais dans toute l'histoire des États-Unis, une telle volonté de changement ne s'était exprimée sur une si courte période. » Alors évidemment, cela a un retentissement sur la culture. De nouvelles pratiques culturelles, ce qu'on a appelé la contre-culture, vont se développer aux États-Unis et ensuite se diffuser en Grande-Bretagne et en Europe. Alors la musique rock, Elvis Presley ou aux Beatles, le théâtre de rue, les happenings, la presse underground. On chante et on manifeste contre la guerre au Vietnam, John Baez et Bob Dylan par exemple. Mais l'art plastique, connaît aussi de profondes mutations. Aux États-Unis, comme ailleurs, aux États-Unis, on peut parler de Jackson Pollock, Mark Rothko ou Barnett Newman, mais ailleurs aussi, Maud, je crois qu'on peut parler d'autres mouvements. Oui, alors le contexte artistique, tout comme le contexte politique, intellectuel, est marqué par la remise en cause de formes d'art traditionnelles et de nombreux mouvements prônent la libération de l'art d'un carcan qui est jugé trop institutionnel ou trop bourgeois. Support Surface va s'inscrire dans une longue lignée de mouvements dont il est contemporain, mais qui vient aussi après, certains mouvements qui se développent aux États-Unis et en Europe. Donc le premier d'entre eux que j'ai choisi de développer est bien sûr Fluxus, qui est un mouvement au contour extrêmement flou, qui part des États-Unis, qui naît notamment, dont on voit les prémices au Black Mountain College, notamment avec les actions, les compositions de John Cage, la question des happenings aussi, qui émerge à cette période, et qui va se déployer dès le début des années 60 aussi en Europe et dans divers pays, à travers en fait, des festivals. C'est ce qui va marquer l'action de Fluxus, c'est qu'elle n'aura, ce mouvement artistique ne se déploiera pas dans des salles de musées ou même dans des galeries d'art. Au contraire, il prendra place dans l'espace public et par l'intermédiaire d'événements festifs.
Donc Ben Vautier va être un des artistes français les plus actifs de ce groupe. C'est un artiste qui a été lié aussi au mouvement des nouveaux réalistes dont je vais reparler plus tard. Et Ben Vautier, Ben, connu sous le nom de Ben, définit ainsi Fluxus, le nom d'un groupe créé en 1962 et dont les membres vivent un peu partout dans le monde. Officiellement, rien ne les relie entre eux, hormis les influences qu'ils ont subies et une certaine façon de concevoir l'art. Les influences sont John Cage, Dada et Marcel Duchamp. Fluxus est un nom appelé à devenir signe de reconnaissance pour de très nombreux artistes attachés dans les décennies 1960 et 70 à poursuivre l'entreprise initiée par les dadaïstes et Duchamp. Donc on est vraiment dans cette lignée qui est celle de la lignée duchampienne qui fait vraiment de l'œuvre d'art une question principalement de regard et qui va mettre au cœur de la pratique de ces artistes la question de la participation des spectateurs, des visiteurs, de ceux qui regardent l'œuvre. Donc Ben Vautier, comme c'est le cas ici dans cette photographie, va se mettre notamment à signer tout ce qu'il trouve, tout ce qu'il voit, dans une logique qui est celle de Marcel Duchamp, qui est de prélever un objet de l'environnement et d'en faire une œuvre d'art en changeant le regard qu'on lui porte et en changeant le contexte. Tous ces artistes sont d'ailleurs très influencés par un philosophe américain qui est John Dewey, qui a écrit cet ouvrage « L'art comme expérience » qui va devenir le véritable credo de ces artistes du groupe Fluxus qui vont relier l'art à la vie, l'art comme expérience et cette idée que la vie elle-même est art. Un autre mouvement aussi qui va avoir de l'importance et qui va vraiment jaillir dans ce mouvement contestataire des années 60, c'est l'arte povera italien. Donc l'arte povera, qui est une expression qui est utilisée pour la première fois par le critique italien Germano Celan lors d'une exposition qui se tient à Gênes en 1967 et qui va regrouper une dizaine d'artistes. Donc les œuvres des artistes de l'arte povera, je ne vais pas trop développer, ce n'est pas l'objet de cette conférence aujourd'hui, sont faites de matériaux très hétérogènes aussi. Donc on a des matériaux de rebut qu'on retrouve aussi chez les artistes de support surface, mais qui sont également liés à des objets industriels comme le néon qu'on retrouve notamment chez Mario Merz. Et ces artistes interrogent à travers leurs œuvres la dialectique qui existe entre nature et culture et vont faire ce que Germano Celan appelle de l'art guérilla. Donc on est vraiment dans une logique aussi qui est extrêmement politique et qui peut se voir par exemple dans cette œuvre de Giovanni Anselmo qui lui s'intéresse depuis 1966 à des œuvres d'art constituées de matériaux naturels comme la pierre, le bois, le fer ou des matériaux d'origine végétale. Et je ne sais pas si vous connaissez, il y a notamment une sculpture très très connue qui est conservée au Centre Pompidou, qui est faite à partir d'une laitue et de deux morceaux de pierre. Et donc on a une sorte de sculpture vivante qui s'active. Ce qui intéresse Giovanni Anselmo, c'est de repositionner les matières pour tenter de leur redonner leur qualité originaire. Et ce qui l'intéresse notamment, c'est la question de l'énergie, des tensions à l'œuvre dans l'objet d'art. Et ici, c'est particulièrement fort dans cette œuvre Torsion, qui est conservée au Museum of Modern Art à New York, et qui allie des éléments de cuir, de ciment et de bois, où on voit cette barre de bois qui a été enserrée dans du cuir, tournée jusqu'à être bloquée, et ensuite coincée contre la paroi d'un mur, et qui laisse en fait jaillir tout un imaginaire d'une violence en fait qui se déploierait, d'une violence à l'œuvre, si ce morceau de bois était dévié de quelques centimètres du mur de la pièce. Donc ces artistes vont notamment être exposés dans une exposition emblématique de l'époque, une exposition intitulée « Quand les attitudes deviennent formes » qui se tient au Kunstmuseum, à la Kunsthalle de Berne, en 1969 et qui réunit des artistes de l'antiforme américain. Donc on est dans le cadre du post-minimalisme sur lequel je reviendrai, et des artistes du land art américain et du pop art, avec vraiment cette idée que le geste devient fondamental dans l'acte artistique, avec cet accent qui est mis sur le lien entre les œuvres, sur le lien des œuvres à leur environnement, sur la fluidité aussi de l'art comme un mouvement qui est aussi éphémère. Alors en France, que se passe-t-il ? La France, depuis 1958 et l'arrivée de De Gaulle au pouvoir, on connaît une période de grande stabilité politique,
avec des affirmations d'indépendance et de puissance comme le retrait de la France de l'OTAN en 65-66 et puis la bombe atomique. C'est la période dite des 30 Glorieuses, avec de nombreux projets industriels, de belles réalisations, et l'explosion, on va dire, de la grande consommation et du nombre des supermarchés, par exemple. Mais en même temps, il y a des tensions qui vont s'aggravant. Les premières manifestations antinucléaires, qui ont d'ailleurs commencé à la fin des années 50, la fermeture de milliers de petits commerces, de grands mouvements sociaux en 63, grève des mineurs, 66, 67, à propos de la sécurité sociale, des salaires, du chômage. Et dans le même temps, arrive à l'université toute une génération nouvelle, celle des baby boomers d'après 1945. Et les universités trop petites, elles ont besoin, elles explosent aussi, au sens géographique du terme. Il faut en construire de nouvelles, en 64 à Nanterre par exemple. Et 64, c'est aussi la construction de la fac des sciences à Montpellier. Et 1966, celle de lettres. Alors la même dualité imprègne le monde de la culture. En surface, une apparence tout à fait lisse, tout à fait stable, grâce au ministère des Affaires culturelles qui a été créé en 1959 pour Malraux et qu'il va occuper jusqu'en 1969, grâce aussi à l'ORTF et à sa chaîne de télévision bien cadrée, grâce enfin aux maisons de la culture, hein, qui ont été créés en 1935, mais que Malraux a souhaité développer pour en implanter plusieurs dans certaines villes de France, de façon à décentraliser la culture. Et vous avez là une photographie de la Maison de la Culture d'Amiens, que Malraux inaugure en 1966, et la dernière phrase de son discours d'inauguration en dit long sur la relation culturelle entre Paris et la province. Il dit « Avant 10 ans, ce mot hideux de province aura cessé d'exister en France. » Alors en pendant de cette sage culture officielle, qu'est-ce qu'on trouve ? Bien quelques scènes alternatives, le succès du rock, c'est l'époque Salut les copains auprès des jeunes, des mouvements en littérature et en musique dont nous parlerons un petit peu plus tard. Signalons en 1966, toujours 1966, le ballet de Roland Petit, Éloge de la folie à Paris, avec des décors de Tinguely et de Niki de Saint-Phalle. Mais Tinguely et Niki de Saint-Phalle ne sont pas appréciés de Malraux. Il y a, du côté de l'art, aussi de profondes mutations. Oui, donc Tinguely comme Niki de Saint-Phalle font partie d'un mouvement qui occupe la scène artistique au début des années 60, en France, où sont très présents aussi, bien sûr, dans les galeries d'art, notamment les artistes du pop art anglo-saxon, issus du Royaume-Uni et bien sûr des États-Unis. Il faut savoir que beaucoup des artistes de support surface vont s'ériger contre cet art de l'image et de l'objet qui est alors prédominant dans le contexte artistique en France et qui développe notamment cet objet industriel, cet objet de consommation comme sujet, mais qui va aller aussi au-delà en utilisant bien sûr le multiple moyen. Comme moyen de développement de l'œuvre d'art, d'une œuvre d'art qui se multiplie comme les objets de consommation à l'infini. C'est notamment le cas avec la sérigraphie chez Andy Warhol et dans les accumulations ou les compressions chez Armand et chez César pour le nouveau réalisme. Leur critique, Pierre Estany, ira d'ailleurs jusqu'à signaler la fin de la peinture dans le manifeste qu'il développe et qu'il consacre à ce mouvement. C'est donc aussi contre cette hégémonie que beaucoup d'artistes du mouvement support surface vont prôner davantage un retour vers la peinture abstraite et notamment la peinture américaine dans les sillages donc de l'expressionnisme abstrait et s'opposer à la notion de spectaculaire qui avait alors été théorisée par Guy Debord dans un ouvrage qui venait de paraître, La société du spectacle.
Ce mouvement va d'ailleurs prendre place donc dans un moment d'explosion de la contestation en 68. Parce que dans la société comme en géologie, les tensions aboutissent un jour à un craquement majeur. Et c'est l'explosion de 68 en France et dans d'autres pays. Partie de l'université, étendue ensuite au monde du travail ouvrier et employé, que conteste le mouvement ? On peut dégager deux grands axes. D'abord, la contestation politique et sociale, qui s'élève contre un système qui paraît figé autour du général de Gaulle, qui dénonce l'envers des 30 glorieuses, les fermetures d'usines, de commerces, les bas salaires ou l'aggravation des inégalités, qui attaque particulièrement l'ORTF comme porte-parole du gouvernement et aussi la société de consommation en plein essor. Ça, c'est le premier axe. Un deuxième axe, ça serait la contestation de l'ordre bourgeois en réclamant la libéralisation des mœurs, l'allègement du conservatisme dans tous les domaines, que ce soit à l'école ou dans la culture, où les choix de Malraux sont jugés conservateurs, on vient de le voir. Alors c'est comme un corset qui craque de toutes parts, sous la poussée d'une aspiration à la liberté, le refus de la contrainte, le refus de l'autorité aussi. Et les slogans de mai 68 que vous avez là, qui sont devenus célèbres, en témoignent. On veut sortir des cadres jugés étroits, on veut sortir des lieux institutionnels, on veut valoriser la liberté de l'individu, l'autonomie, aller dans la rue, prendre la parole. Alors dans cette période d'intense agitation, qui est politique, sociale, mais aussi intellectuelle et émotionnelle, les intellectuels, surtout parisiens, sont au premier plan des actions et des débats en mai 68 et dans les années qui ont suivi. Mais également, les artistes prennent toute leur part. Oui, alors notamment dans le contexte de la guerre du Vietnam, il va se passer politiquement plusieurs actions au sein d'institutions culturelles. Donc dès 1967, lors du 18e salon de la jeune peinture, dont vous voyez une image très célèbre, on va demander aux peintres de déposer une œuvre vendue au profit du peuple vietnamien sous l'intitulé d'une opération qui s'intitulera « Vietnam, un dessin pour leur combat ». Une opération qui a lieu parallèlement à une opération menée par les artistes de BMPT, donc ce groupe qui réunit quatre artistes, donc qui ont donné leur initiale au groupe, Daniel Buren, Olivier Mossé, Michel Parmentier et Niel Toroni. Donc un groupe qui se crée en 1966, qui se dissout en 1967, donc encore plus bref que Support Surface, et où les artistes, lors de la première manifestation, donc à l'occasion de ce salon, décident d'abord d'accepter de participer et d'accrocher leurs œuvres, tandis que la deuxième manifestation du groupe sera, le même jour, de décrocher toutes ses œuvres et de partir du salon, donc laissant cette phrase « Buren, Mossé, Parmentier, Toroni n'expose pas ». Parallèlement, dans un autre groupe d'artistes, une autre mouvance qui est celle de la figuration narrative, qui est également très politisée, ont une exposition en 1967 à l'ARC, donc toujours musée d'art moderne de la ville de Paris, intitulée « Le monde en question, 26 peintres de la contestation ». Et on peut lire cela dans le catalogue de l'exposition. Le plus souvent, la contestation est l'effet d'un refus momentané et violent d'un aspect du monde, dû à un moment de l'histoire, à une condition sociologique précise, qu'on ne s'étonne pas de trouver dans le monde en question des registres d'expression extrêmement différents, depuis le cri, l'exaspération, la révolte pure, jusqu'à l'élaboration concertée dans un mode froid. Donc là, on voit comment déjà dès 67, on voit jaillir cette contestation de manière très forte, ce cri qui est signalé dans le texte, et qui va bien sûr prendre toute sa force durant les événements de mai 1968, avec l'ouverture le 13 mai à l'École des Beaux-Arts de Paris de l'Atelier Populaire, où toute une nouvelle génération d'artistes va réaliser des affiches sérigraphiées qui seront donc placardées sur les murs de la capitale, associées à des slogans contestataires, libertaires
et poétique aussi, et révolutionnaire. Donc deux artistes, notamment du mouvement Support Surface, vont prendre part hein, à ces ateliers populaires. C'est le cas de Louis Kahn et de Pierre Buraglio, qui vont s'associer à ces ateliers libres. Et la contestation va se poursuivre. Hein. Donc là, je vous montre donc, quelques images de Marc Riboud de ces ateliers libres, hein, de production d'affiches. Et donc, cette contestation va se poursuivre à la suite de mai 68. Donc en 69, le 20e salon de la jeune peinture, lui, va choisir comme thème « Police et culture », tandis qu'en 1971, va être créé le Front des artistes plasticiens, qui est un collectif d'artistes et de critiques d'art, qui se constitue contre la censure, je cite, hein, « contre l'impossibilité d'exposer, la destruction des Halles Baltar, la construction de Beaubourg, les achats sélectifs de l'État, la liquidation progressive de l'enseignement artistique. » Et le point culminant de ce front des artistes plasticiens va être la campagne de boycott de l'exposition dite 72-72 au Grand Palais, qui aura le titre « La création artistique en France 1960-1972 ». Nous allons enchaîner avec le bouillonnement intellectuel de cette période. Pour examiner sur quelle base théorique se construit cette contestation, base théorique, qui vont être affichées, ensuite revendiquées par Support Surface. Alors voilà ce que sera la démarche de cette partie. Il faut remonter un petit peu en arrière, hein, d'abord, parce que en littérature, au cinéma ou dans la musique, la période est marquée par des évolutions qui ont commencé plusieurs années auparavant. Alors, dans littérature, nouveau roman, dans le théâtre, cinéma, la nouvelle vague, musique concrète, musique sérielle. Alors, les points communs à ces évolutions, bien, la volonté de bousculer les codes, d'abord, on est dans l'esprit déjà de ce qui sera la contestation. La recherche de nouveaux procédés dans l'écriture littéraire, cinématographique ou musicale. La volonté de privilégier le processus de l'écriture au détriment de la narration en littérature ou au cinéma ou de la mélodie en musique. L'intérêt pour des techniques de plus en plus sophistiquées, en musique notamment avec l'électroacoustique, mais aussi l'intérêt pour la matérialité du mot comme du son. Et toutes ces recherches nouvelles, finalement, Samuel Beckett, écrivain irlandais qui vit en France, qui produit en France, et qui est consacré prix Nobel de littérature en 1969, ce que d'ailleurs il a considéré comme une catastrophe. Bon. Il en présente, me semble-t-il, un condensé fulgurant. Il a une œuvre immense, théâtrale, poétique, romanesque, qui témoigne d'une quête incessante du renouvellement de l'écriture, dont les mots-clés seraient rupture, rupture avec le jeu, rupture avec la narration, rupture avec la représentation, ou encore dépouillement, qui va jusqu'à l'abstraction, chauseté, langage qui servit enfin de triturer jusqu'à arriver à une littérature du non-mot. Alors, dans tous ces domaines se retrouve le besoin de travailler sur le langage, le processus et l'analyse du langage. Or, justement, du côté du langage, ben, il s'est passé aussi une révolution, et c'est le structuralisme, qui connaît, dans cette décennie 60, une très grande importance. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire du structuralisme ni présenter dans le détail du structuralisme. Les peintres de Support Surface font référence principalement à Ferdinand de Saussure et à Roman Jakobson, pas aux autres linguistes. Les notions auxquelles également on fait référence et que l'on retrouve, ce sont celles qui sont indiquées ici. Je ne vais pas les commenter dans le détail. Simplement rappeler que la langue est conçue comme un système de signes permettant la communication. Système signifie un ensemble d'éléments qui sont définis par leurs relations, par les structures, et que le signe linguistique est un composé indissoluble de signifiant, l'image acoustique, et d'un signifié qui est le concept.
Et ce qui est important aussi à signaler, c'est que entre le signifiant, l'image acoustique, le signifié, le concept, le sens, si vous voulez, il y a arbitraire, il n'y a aucune relation logique entre les deux, pas plus qu'il n'y a de relation logique entre le signe linguistique et l'élément de la réalité, le référent. Cette langue peut ainsi se décomposer en unités minimales, et c'est l'objet de l'analyse linguistique. Dans cette décennie 60, pratiquement tous les champs du savoir en sciences humaines sont marqués par le structuralisme, et au-delà des sciences humaines d'ailleurs, mais je vais m'en tenir aux sciences humaines. On va parler plus particulièrement de quelques domaines qui apparemment ont influé sur support-surface. Alors d'abord, l'analyse littéraire. Pourquoi l'analyse littéraire ? Mais pour deux raisons. D'abord parce que dans cette période de 66 à 70, on va dire, il y a de nombreuses productions. C'est une période particulièrement riche autour de Roland Barthes ou de Tsvetan Todorov, plusieurs publications. À propos de Barthes, je signalerai le degré zéro de l'écriture qui est paru en 1953, qui a pu influencer ensuite d'ailleurs d'autres mouvements picturaux, mais qui est paru en 1953, mais qui est réédité en 1965. Et en 1966, Barthes fait paraître deux autres opus, Critique et vérité, et une introduction à l'analyse. Alors, qu'est-ce que veut faire Barthes ? Sur le modèle de l'analyse de la langue, on cherche à décomposer le texte en éléments, à repérer des fonctions, des indices formels, les temps verbaux, les pronoms personnels, par exemple. Et Barthes parle de l'aventure du langage. Ce qui compte, c'est l'aventure du langage, le processus de création littéraire, et non pas la narration ou la représentation. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Barthes est fortement lié à des revues qui diffusent ses idées, comme la revue Communication, ou une autre revue qui va avoir une très grande importance auprès de Support Surface, c'est la revue Telle Quelle. Telle Quelle a été créée en 1960 à Paris, au Seuil, autour de Philippe Solers et Jean-Éder Nallier, et viendront dans son comité de rédaction des gens comme Marcelin Plénet, peintre et critique d'art, et Marc Devade, membre de Support Surface. Et il y aura un lien très fort entre le groupe de Telle Quelle, le comité de rédaction de Telle Quelle, et le groupe de Support Surface. On y reviendra. Je passerai ensuite rapidement sur la psychanalyse, qui est également un élément quand même très important, parce que c'est une référence majeure, aussi bien pour la critique littéraire que pour la création artistique. Il faut se souvenir que depuis 15 ans, une foule se presse tous les lundis au séminaire de Lacan, qui dans cette période-là, dans les années 60, se tient à l'ENS, à la rue d'Ulm. Alors, Lacan publie les écrits en 1966, et il donne au langage une place primordiale. Il considère que l'inconscient est structuré comme un langage. Et dans ce langage, ce qui est important, c'est le signifiant qui en est ce matériau, le matériau sur lequel doit travailler l'analyste. Idée que reprendront les peintres également. Du côté de la sociologie, de l'anthropologie, certes, donc Claude Lévi-Strauss utilise les notions de structure, de système, de signe pour analyser les relations dans un certain nombre de sociétés. Mais j'insisterai plus particulièrement sur André Leroy-Gourhan, qui est anthropologue, qui s'intéresse à l'art pariétal préhistorique. Il veut en saisir la portée symbolique, la logique de composition, comme Barthes pour l'écriture. Il est passionné par la technique de ces artistes préhistoriques, leur rapport à la matière,
le rôle de la main et du geste, qu'il voit comme un universel de la préhistoire. Et on trouvera dans le dictionnaire de support surface, écrit par Daniel Dezeuse, mais bien des années plus tard, un article sur la main avec référence à Le Roi Gourand. Je passerai rapidement sur l'histoire. Jean-Pierre Vernant et Georges Dumézil, ce qui est assez, peut paraître assez étonnant, ce sont deux historiens de l'Antiquité dont on ne voit pas immédiatement le rapport avec support surface et qui ont pourtant intéressé certains de ces artistes, notamment par leur recherche justement de certains universaux dans les mythes grecs par exemple ou dans la pensée grecque. Alors vous voyez, en face de philosophie, il n'y a rien, il n'y a pas de nom. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de philosophe à l'époque? Ben c'est plutôt parce qu'il y en a trop. Hein, il y en a beaucoup. Ce tableau ne représente pas que des philosophes, mais ce que j'ai appelé les penseurs à l'époque, la constellation des penseurs. C'est absolument étonnant, me semble-t-il, de voir cette abondance de grands penseurs à cette époque-là, précisément. Alors en vert, il n'y a pas de code couleur vraiment dans ce tableau, mais en vert, en haut quand même, ce sont un certain nombre de penseurs, philosophes, récemment décédés et qui gardent une influence sur la période. Mais il y a beaucoup de philosophes vivants et actifs à cette époque-là et qui ont beaucoup d'importance. Et certains sont les maîtres à penser de la contestation, en France et à l'étranger, hein, qui vivent en France ou à l'étranger. Marcuse, qui réfléchit aux notions de désir, de travail, d'aliénation. Hannah Arendt, qui réfléchit aux notions de totalitarisme, de travail, de liberté. Althusser, qui opère une relecture de Marx. Deleuze, qui revoit l'histoire de la philosophie. Michel Foucault, philosophe et psychologue. Après sa thèse sur la folie et l'enfermement des aliénés, qui est publié en 61, il publie en 66 un ouvrage qui aura un fort retentissement, qui s'appelle « Les mots et les choses », dans lequel il fait une longue analyse structuraliste du tableau « Les Ménines » de Velázquez, tableau dont Lacan avait fait lui-même une analyse en séminaire. Et je voudrais mettre l'accent sur deux lignes de pensée fortes à ce moment-là. C'est d'une part avec Derrida, Jacques Derrida, professeur également à l'ENS d'Ulm, comme Althusser. Avec Jacques Derrida, l'invention de la déconstruction. Alors, Derrida, dans De la grammatologie, a fait une critique de la linguistique structurale et de Saussure, dont il conteste un certain nombre de présupposés, on va dire, ou de posés, notamment la primauté de l'oral sur l'écrit. Mais surtout, au nom de la différence, Derrida déconstruit les théories classiques du sens et à part là, déconstruit la métaphysique occidentale pour proposer une nouvelle philosophie. Et on utilisera le terme de déconstruction ensuite un petit peu pour tout et n'importe quoi, pour parler de toute position qui consiste à critiquer un système ou des idées déjà en place. Alors, c'est pas ça la déconstruction chez Derrida. La déconstruction chez Derrida, c'est la décomposition, l'analyse critique de quelque chose d'existant, d'un système de pensée existant, de sa décomposition en éléments, à la manière structuraliste d'ailleurs, pour recomposer dans une nouvelle philosophie. Et c'est pour cette raison que Daniel Dezeuse, dans le dictionnaire support-surface, consacrera tout un article à la notion de déconstruction en la voyant comme un questionnement qui ouvre sur des possibles nouveaux. Ça, c'était une première idée forte. Une deuxième tendance forte dans la philosophie de ce groupe-là, c'est le matérialisme.
Alors, l'on n'a pas inventé le matérialisme hein, en 1968. C'est un courant de pensée depuis la haute antiquité, enfin depuis l'Antiquité. Thalès, Épicure, hein, Démocrite, Lucrèce. Bon. Et c'est un courant continu jusqu'au XXe siècle. Alors, quand on retient l'ère du temps culturel, dans la critique littéraire structurale, le matérialisme, ça se manifeste par le rejet du sujet psychologique, la mise à l'écart de l'auteur, la centration sur la matérialité du langage, justement. Ce que fait Beckett, qui s'efforce de retrouver le matériau brut, la matière de la langue écrite. Du côté de la musique concrète recherche la matière du son. Et on peut penser à Pierre-Henry qui, dès 1963, avait composé « Variations pour une porte et un soupir ». Et puis, un peu plus tard, en 67, « Messe pour le temps présent ». Ou encore John Cage, dont Maud a parlé tout à l'heure, qui voulait laisser les sons être ce qu'ils sont. Alors, vous le voyez, ça fait beaucoup, beaucoup de choses dans ce domaine intellectuel. Structuralisme, déconstruction, matérialisme. Comment les artistes se sont-ils emparés de ça ? Oui, alors les notions de structure élémentaire, de déconstruction et de matérialisme vont résonner dans les travaux des artistes de support surface de manière à chaque fois différente, hein, parce que bien sûr, tous ces artistes ne regardent pas la théorie de la même manière. Hein, mais en tout cas, beaucoup vont s'intéresser notamment déjà à ce courant hein, qui se développe des années 40 et 50 aux États-Unis et qui est celui donc, du formalisme américain. Mais qu'ils vont associer à une conception davantage matérialiste. Là, je me suis permis de mettre comme ça ces deux tableaux côte à côte. J'espère que Vincent Bulès ne m'en voudra pas. Avec un des grands artistes, des grands représentants hein, de l'expressionnisme abstrait, qui est Barnett Newman, et qui va être notamment défendu par un critique d'art américain qui prône hein, une théorie évolutionniste de la peinture, et qui est bien sûr Clement Greenberg, donc qui va être un des grands théoriciens de l'expressionnisme abstrait, et qui lui déjà, hein, dès les années 40, 50 va s'intéresser à la réduction de la peinture à son essence. Et pour lui, hein, dans une perspective qui est celle d'une autocritique du champ pictural, il va essayer de sonder hein, ce qui est la caractéristique propre du médium pictural, à savoir pour lui la surface plane, le format, la couleur, la forme, qui donc vont être des notions qui vont être bien sûr reprises hein, dans le groupe support surface jusqu'au nom même hein, du mouvement. Donc ces artistes américains vont être beaucoup regardés hein, par les artistes de support surface, que ce soit Claude Viala, Vincent Bulès, hein, qui va notamment être marqué par l'œuvre d'Ellsworth Kelly à la Biennale de Venise en 66. Et là, on peut le voir donc, avec une œuvre de cette période radicale, hein, de travailler avec des aplats comme ça de couleurs, où il va reprendre cette sorte d'outil créé par Barnett Newman, qui est celui donc, des fameux zips, donc, qui sont ces bandes de couleurs verticales. Qui sont obtenus grâce à un ruban adhésif hein, qui est mis sur la toile et qui permet d'épargner les aplats de couleurs. Déjà hein, chez Barnett Newman, hein, même si on est dans un autre contexte hein, qui est vraiment celui qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale, il y avait hein, une forme de contestation, de politisation très forte de son œuvre. Il disait notamment ceci: on m'a demandé ce que signifiait vraiment ma peinture par rapport à la société, par rapport au monde, par rapport à la conjoncture. J'ai répondu que si mon travail était correctement compris, ce serait la fin du capitalisme et du totalitarisme d'État. Mon travail, en termes d'impact social, signifie la possibilité d'une société ouverte, d'un monde ouvert, et non d'un monde institutionnel fermé. Donc on voit hein, ce caractère aussi très, très utopique de ces artistes, qu'on retrouve bien sûr chez certains protagonistes du mouvement support surface. Mais à la différence de Barnett Newman, hein, Bulès, lui ne renvoie pas à renvoie à la matérialité propre hein, de la peinture et ne va pas justement, on le voit dans les titres, hein, c'est vraiment l'époque aussi où les intitulés disparaissent totalement, contrairement aux artistes de l'expressionnisme abstrait, hein, dont on voit une référence, une volonté presque de sublimation de la peinture, un hein, au-delà de la toile avec ce titre, hein, Vir Heroicus Sublimis, qui veut dire donc l'homme héroïque sublime.
Au contraire, hein, chez Vincent Bioulès, on s'en tient à la réalité picturale, la matière pure, avec cette couleur, ces couleurs primaires sur la toile, et cette alternance comme ça, qui crée une rythmique directe, une confrontation forte entre deux parties, le blanc et le rouge. Et Vincent Bioulès écrira au sujet de la production de cette période, maintenir l'espace pictural aux dimensions du tableau proprement dit, sans renvoyer d'aucune façon à un autre espace intérieur, lyrique, comme autant de pièges. Hein. Donc vraiment, l'idée est de maintenir la question donc, de la peinture à ses composants propres, sans renvoyer vers une autre réalité. Donc là, on est vraiment dans un rapport qui est matérialiste à l'œuvre et qui, en ce sens, se rapproche davantage que de l'expressionnisme abstrait, du minimalisme et du post-minimalisme américain, notamment avec une figure comme Frank Stella, hein, qui est chantre de ce courant, qui écrivait « What you see is what you see ». Donc on est vraiment dans cette idée d'un rapport direct aux éléments de la peinture et de la sculpture. Et un parallèle qui, est aussi, qui se retrouve hein, dans le rapport à l'espace des artistes du mouvement de support surface et des artistes du minimalisme et du post-minimalisme. Donc c'est le cas de Robert Morris hein, qui a commencé vraiment aux côtés d'artistes issus de l'art minimal et qui va ensuite hein, s'en détourner pour se rapprocher de ce qu'on appelle l'antiforme ou le post-minimalisme, avec comme ça cette souplesse des matériaux, ce côté précaire voire éphémère, qui, de putréfaction parfois de la matière qui peut être à l'œuvre dans certains de leurs travaux. Ce rapport à l'espace hein, se retrouve dans les œuvres de Daniel Deuzeuze et notamment les œuvres qui ont, de cette période les plus connues, hein, c'est ces échelles, donc une série qui débute en 1970 et qui s'achève en 1977, où l'artiste hein, reprend hein, ce motif de la grille moderniste, mais va s'intéresser aussi à la souplesse, au côté aussi très, très bricolé de son travail, ses imperfections, la fragilité aussi des matériaux avec ses lamelles de bois extrêmement fines qu'il va recouvrir de brous de noix dans cette œuvre notamment qui est issue des collections du musée Fabre et où, dont il dira qu'elle relie leur matérialité à la sienne. Donc, parallèlement au mouvement support-surface, comme je l'ai déjà évoqué, donc, il y a le mouvement BMPT hein, qui lui est quasiment contemporain et qui, lui, va vraiment voir, si je me permets de caricaturer ce mouvement, la question de la déconstruction comme une fin de la peinture, avec une volonté d'affirmer l'anonymat du geste pictural. Donc là, on le voit avec vraiment une sorte de protocole, de règles rigoureuses qui va marquer la production de ces artistes et qui va finalement en rester là. Donc on a par exemple ici avec Neil Toroni qui va définir des espacements pour ses coups de pinceau comme ça très, très rigoureux et qui est une pratique que l'artiste poursuit encore aujourd'hui avec cette idée hein, vraiment donc de l'anonymat qu'il n'y a rien d'autre à voir que le geste mécanique. Quand au contraire, les artistes du mouvement support surface vont davantage voir cette déconstruction, cette mise à nu des éléments de la peinture comme un dépassement et un choix hein, vraiment finalement de renvoyer à la beauté, à la sensualité aussi des éléments de la peinture. Donc là on peut le voir hein, dans cette confrontation qui est assez parlante, d'une œuvre de Neil Toroni, groupe BMPT, d'une œuvre de Jean-Michel Meurice, donc qui est un compagnon de route du mouvement support surface, avec cette série emblématique des Pénélopes, hein, donc contemporaine du mouvement, et où là l'artiste hein, va vraiment dans une logique qui est celle de Pénélope dans l'Odyssée, attendre comme ça, dresser comme ça des fils de couleurs sans fin, et qui vont voilà, de mettre en valeur la beauté et la sensualité de la couleur. Il dira que pour lui, la répétition de la ligne est la manière la plus simple de tracer un geste qui constitue à la fois le fond et la forme du tableau. Donc ce matérialisme pictural est vraiment au cœur hein, du processus de réduction de la peinture chez Support Surface. C'est d'ailleurs une exposition qui va marquer aussi les prémices du mouvement en 69, qui avait lieu au Musée des Beaux-Arts du Havre, atteste. Hein, donc la préface qui est signée Jacques Lepage dit ainsi « L'objet de la peinture, c'est la peinture elle-même, et les tableaux exposés ne se rapportent qu'à eux-mêmes. Ils ne font point appel à un ailleurs, la personnalité de l'artiste, sa biographie, l'histoire de l'art par exemple. Ils n'offrent point d'échappatoire, car la surface, par les ruptures de forme qui sont opérées, interdit les projections mentales ou les divagations oniriques du spectateur. La peinture est un fait en soi, et c'est sur son terrain qu'on doit poser ses problèmes. Il ne s'agit ni d'un retour aux sources, ni de la recherche de la pureté originelle, mais de la simple mise à nu des éléments picturaux qui constituent le fait pictural.
d'où la neutralité des œuvres présentées, leur absence de lyrisme et de profondeur excessive. On verra que ce n'est pas toujours vrai, hein, ces textes-là, hein, parce que justement, les artistes du groupe Support Surface vont aussi développer, hein, et défendre une sensualité à l'œuvre dans les matériaux de la peinture. Donc ce matérialisme, cette déconstruction aussi des matériaux, va s'associer à l'importance donnée au processus technique mis en œuvre, donc où les toiles vont vraiment donner à voir le geste et la manière dont elles sont conçues. Et ceci dans la lignée d'un artiste qui va beaucoup marquer aussi cette génération. Donc j'ai parlé des artistes américains, et bien sûr, à côté d'eux, l'artiste d'origine hongroise, Simon Antaille, hein, qui arrive à la fin des années 50 en France, qui va être très vite représenté par le galerie Jean Fournier, qui va aussi exposer un certain nombre des artistes du groupe Support Surface, et qui, dès les années 60, va mettre en œuvre ce qu'il appelle le pliage comme méthode. Et donc c'est vraiment cette idée donc de donner de la place au non-peint, à l'espace qui n'est pas peint, la toile en réserve, comme c'est le cas dans cette toile plus tardive qui est conservée au musée Fabre, blanc, mais aussi bien sûr donner une place à l'aléa et donner à voir bien sûr le geste et le processus pictural. Donc ça, bien sûr, ça va marquer certains artistes, et notamment André-Pierre Arnal, qui va réaliser. Donc lui, sa particularité, c'est vraiment que la plupart de ses séries sont intitulées par la technique qui les compose. Hein. Donc il va commencer dans les années 68 par les froissages, et en 70, en s'inspirant de la forme de la cocotte en papier, il va comme ça réaliser de grands pliages qui sont réalisés à l'échelle du corps. Hein. Donc il y a bien sûr aussi cette confrontation aux limites corporelles qui sont aussi à l'œuvre dans ce processus, et réaliser toute une série de pliages qui laissent là aussi place à la réserve, à l'espace non peint de la toile. D'autres artistes, hein, vont mettre en exergue ce processus technique, à l'instar de Christian Jacquard. Donc Christian Jacquard qui, pareil, hein, comme Jean-Michel Meurice, n'a pas fait partie des expositions Support Surface, mais qui va être un compagnon de route de ce mouvement, et qui d'ailleurs a fait une donation récemment d'un grand nombre de toiles au musée Fabre. Et on le voit ici avec ces toiles de l'époque, donc toujours du mouvement Support Surface, des couples toiles-échelles, hein, où l'outil est même intégré en fait à l'œuvre. Hein. Donc on associe le résultat de la toile à son outil qui lui a donné naissance. Je pense qu'on peut enchaîner je vous montre quand même, parce que le temps passe, le temps court, sur une vue, hein, de l'exposition dédiée à Claude Viala en 2014 au musée Fabre. Claude Viala qui, lui, a vraiment, sous la forme de notes, résumé en plusieurs points, sous forme même de commandement, le programme de cette mise à nu chez Support Surface, avec, je ne lirai pas tous les points, mais notamment cette idée de considérer l'espace réel, de s'attaquer à la vision monocentrée de l'espace renaissant, d'envisager la peinture comme une topologie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, par exemple, dans cette salle, où finalement l'art, hein, donc déjà se monumentalise, hein, c'est vraiment aussi l'influence de l'art américain, et bien sûr devient un espace qui répond vraiment à l'architecture et au lieu dans lequel on se trouve. Et on va le voir, ça va avoir des résonances très fortes, avec notamment la manière dont l'art s'inscrit dans la société. Alors là, nous allons aborder justement cette manière dont l'art s'inscrit dans la société, avec ses orientations politiques, puisqu'elles sont très nettement revendiquées par les artistes à ce moment-là. Alors, quelles sont les références politiques du mouvement contestataire ? Bon, sous les pavés de 68, en effet, il n'y a pas simplement la plage et des étudiants surexcités, il y a des mouvements sociaux qui ont des préoccupations politiques et sociales dans un contexte un peu troublé depuis plusieurs années. Alors la référence politique de ces mouvements, c'est le marxisme-léninisme, qui est vu comme un outil d'analyse et de compréhension des luttes sociales et des contradictions de la société, lequel est lui-même basé sur le matérialisme historique qui s'est développé au XIXe siècle avec Marx et Engels. Alors rappelons que pour Marx et Engels, l'histoire a pour moteur la lutte des classes, une lutte politique et économique entre une classe bourgeoise qui possède le capital et une classe ouvrière ou prolétariat qui fournit le travail. Althusser considère que le temps est venu pour une coupure
épistémologique, ce qu'il appelle la coupure épistémologique, c'est-à-dire la rupture avec la philosophie idéaliste occidentale habituelle et un basculement dans le matérialisme. Mais le matérialisme dont nous parlons maintenant et qui est aussi à la base d'un certain nombre d'idées des peintres de support surface, c'est plus simplement le matérialisme philosophique dont nous avons parlé tout à l'heure, mais c'est le matérialisme historique, donc à base marxiste. Ce matérialisme historique, il se double d'une méthode de réflexion philosophique qui est la dialectique, déjà proposée par Hegel au XIXe siècle, qui cherche à montrer que les contraires peuvent se dépasser dans une synthèse, voire s'inverser ou fusionner. Alors, la dialectique occupe une place importante dans le débat intellectuel des années 68 et suivantes, et souvent dans son origine, qui est la contradiction. Mais la recherche constante de la contradiction dans les débats, et de son dépassement, génère des discussions, souvent sans fin, on le voit dans les assemblées générales, et pas forcément les synthèses souhaitées. Et les débatteurs se renvoient mutuellement aux poubelles de l'histoire. Ça rappellera peut-être l'expression quelque chose à certains, quand il ne se traite pas de vipères lubriques. Deleuze consacre un article à poubelle de l'histoire. C'est pour ça que j'en parle. Que fait-on du côté du mouvement des artistes ? Donc, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, mais il y a bien sûr une revue qui va être créée, justement, qui va exacerber en fait tous ces questionnements aussi intellectuels, théoriques et politiques du mouvement, et donc, qui s'intitule Peinture, cahier théorique, et qui est fondée en 1971. Et dont l'éditorial parle de lui-même, donc avec ce texte, peinture cahier théorique ne propose pas, aussi bien au niveau pratique qu'au niveau théorique, une peinture de type nouveau, avant-gardiste, mais une nouvelle pratique de la peinture en corrélation avec d'autres disciplines. Donc c'est vraiment ce qu'on a vu jusqu'à présent, et ayant pour fondement, pour lieu de refonte, le matérialisme historique et le matérialisme dialectique. C'est vraiment quelque chose qui est affirmé, qui est explicité par les artistes du mouvement. Donc là, vous pouvez voir les signataires de ce premier numéro. On voit Marc Devade, Daniel Dezeuze, Daniel Dezeuze qui apparaît deux fois. Je vous laisse lire. Et donc on voit bien sûr aussi que cette revue ne va pas unir aussi tous les protagonistes du mouvement support surface et va être vraiment à la source de désaccords théoriques très forts entre un certain nombre d'entre eux, notamment certains des artistes qui vont être taxés aussi de parisianisme à l'époque par d'autres artistes qui vivent notamment à Montpellier ou dans le sud de la France et qui vont trouver justement qu'il y a une forme d'enfermement idéologique dans cette revue. Mais ce qui est très fort, en tout cas, dans ce qui émerge d'un point de vue politique chez les artistes du mouvement Support Surface, c'est vraiment cette idée d'associer la pratique esthétique à une vision éthique du monde, et dans laquelle la peinture et l'art, plus généralement, doit s'insérer et doit œuvrer, devrait à une transformation de ce contexte, du contexte qui est celui donc de cette contestation très forte qui opère à l'époque. L'idée aussi, bien sûr, de faire en sorte que l'art ne se transforme pas en produit de marché, ne soit pas un nouvel académisme. Et donc, ils vont aussi mettre en place, et ça, on va le voir dans la dernière partie de cette conférence, des méthodes, notamment le recours à l'exposition dans l'espace public, pour essayer de détourner cette accaparation de l'art par les dispositifs du marché, et notamment de la spéculation artistique. Il nous faut faire maintenant un petit détour par la Chine. Parce que pendant le mouvement de 68, se produit un virage politique important. Le Parti communiste est jugé trop mou, il perd de son aura. L'étoile de Lénine pâlit au profit de celle de Mao, le grand timonier de la Chine qui vient de lancer la révolution culturelle. Et la nouvelle Bible contestataire et révolutionnaire, ben c'est ça, le petit livre rouge des pensées de Mao. Alors qu'apprécie
les intellectuels et les artistes dans la pensée de Mao, mais notamment l'affirmation que la superstructure peut influencer l'infrastructure. Ce qui signifie que les artistes et les intellectuels sont valorisés par rapport au monde ouvrier, ce qui est l'inverse du marxisme-léninisme classique, si j'ose dire, à l'œuvre en URSS à cette époque. Et la revue telle qu'elle, à laquelle collaborent des membres de Support Surface et qui en sont très proches, eh bien, elle bascule en 1971 sous l'impulsion de Philippe Solers du côté du maoïsme, ce qui va créer d'ailleurs un certain nombre de problèmes à l'intérieur du groupe de Support Surface. Mais ils sont fascinés par la Chine. Et la Chine apparaît aux yeux de certains à ce moment-là à la fois comme le nouvel horizon révolutionnaire, le lieu où il y a égalité, il n'y a plus de classe sociale, il y a égalité de tous, les idéaux se réalisent, certes, mais à travers cette Chine nouvelle, c'est aussi l'intérêt pour la Chine éternelle, en quelque sorte, qui se manifeste, parce que des gens comme Deuzeuze, qui se dit maoïste de salon, dommage qu'il ne soit pas là, mais c'est lui qui m'a fourni la formule, où des gens comme Solers ont eu depuis fort longtemps un intérêt pour la production artistique chinoise, enfin que ce soit les idéogrammes, les palais impériaux ou les soiries par exemple. C'est donc une sorte de renouveau de l'orientalisme, de retour à la Chine éternelle, qui fascine aussi certains artistes de Support Surface et qui va influencer leur production. Oui, et d'ailleurs, c'est un peu les mêmes artistes qu'on retrouve parmi les protagonistes les plus actifs de peinture théorique. Donc, Marc Deva, dont j'ai encore peu eu l'occasion de parler, notamment, hein, qui donc, va vraiment être associé à la revue telle qu'elle, comme ça a été dit, mais également à peinture cahier théorique, qui va avoir une production majoritairement théorique et qui va même s'emparer de cette question de l'art chinois, notamment dans ses techniques et avec ses œuvres réalisées à l'encre de Chine au moment durant la seconde moitié des années 70. Ce rapport d'ailleurs à l'art chinois va très loin. La tradition même picturale chinoise intéresse ces artistes, mais aussi d'un point de vue comme un décentrement par rapport à une lecture de la peinture occidentale. C'est même indiqué toujours dans l'éditorial du premier numéro de peinture cahier théorique, où ils disent qu'un des outils de connaissance de cette peinture occidentale, c'est la confrontation à un ailleurs, à un dehors, et qui est donc pour eux la Chine, qui donc pour des raisons contemporaines, je cite, la révolution chinoise, la grande révolution culturelle prolétarienne et ancienne, la philosophie matérialiste dialectique antique chinoise, pour des raisons à la fois contemporaines et anciennes, l'écriture idéogrammatique sert de révélateur pour la pratique et pour la théorie de la peinture. Donc c'est aussi s'intéresser à l'art chinois pour ces artistes, c'est aussi opérer un décentrement de regard et bien sûr d'ouvrir vers autre chose. Et donc on a un rapport à la Chine donc, qui est très marqué pour deux artistes du mouvement, donc Marc Devade et Daniel Deuzeuze, donc de manière aussi plus lointaine dans ces gaz qui est conservé au Musée Fabre et qui est exposé il y a peu, où on voit ce rapport aussi bien sûr à une, quelque chose qui est une forme de légèreté, c'est un mot qui revient beaucoup dans les mots de Daniel Deuzeuze, d'évanescence aussi, de fragilité, et qui est à l'œuvre dans ces gaz qui sont d'une légèreté, et bien sûr un rapport aussi à l'écriture idéogrammatique, ces gaz étant généralement accrochées les unes à côté des autres comme tout autant d'idéogrammes qui se confrontent et qui forment ensemble un langage. Alors, lutte des classes, matérialisme, maoïsme, tout cela a influé sur le monde social et culturel de l'époque, dans une volonté de changement, et notamment dans l'effort de rapprocher la culture des classes populaires. On le retrouve dans le monde culturel, on va le retrouver dans Support Surface. Mais rapprocher la culture des classes populaires, la sortir d'un confinement bourgeois, c'était déjà le but de personnes comme Jean Villard, dans la création du Festival d'Avignon en 1947 ou du TNP en 1951.
c'est ce qu'on appelle la culture populaire hein, à ce moment-là. Mais il se trouve que la période 68-arde dont nous parlons va bousculer assez violemment cette conception de la culture populaire. Et Jean Vilar est fortement contesté en 1968 au Festival d'Avignon, avec des slogans quelquefois difficiles comme « Vilar, Béjar, Salazar ». Il en sera très affecté. Il en sera très affecté. Et qui mène la contestation? Eh bien, des gens comme Julian Beck et le Living Theatre. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent justement sortir le théâtre des lieux culturels labellisés, détourner les lieux culturels labellisés, comme en 68 on détournait l'Odéon, mettre la culture dans la rue, organiser des happenings. Vous en avez une photo ici, hein, d'un happening de Julian Beck. On ne vend plus des billets, c'est une collecte, les spectateurs donnent ce qu'ils veulent, etc. L'essentiel, c'est que le théâtre est dans la rue. Mais l'art plastique aussi. Et l'art plastique aussi, en effet. Donc, les prémices hein, de ces expositions en plein air, elles vont avoir deux origines. Donc, d'abord, avec la fondation à Montpellier du groupe ABC Productions. Donc, ABC, A, c'est Jean Azémar, Thiers d'Alkema. B pour Vincent Bioulès et C pour Alain Clément. Donc, un groupe hein, qui va vraiment défendre une autogestion. Une autogestion. Bon, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus ludique que Support Surface par la suite, mais qui est déjà très politique, avec aussi cette volonté de s'émanciper des réseaux de diffusion parisiens, et donc de produire, où l'artiste devient lui-même producteur et diffuseur de son art. Le premier manifeste du groupe est publié peu de temps après la création d'ABC Productions, en février 1970, au sein donc dans un article du Midi Libre, au sein d'une rubrique intitulée « Art d'aujourd'hui », et où notamment les membres dénoncent l'isolement et la faiblesse des structures artistiques locales et souhaitent vraiment s'inscrire dans un langage devenu international. Et c'est pour ça aussi que je suis revenue un petit peu sur le contexte, et notamment le contexte de Fluxus, dont Support Surface va être proche, hein, et notamment aussi ABC Productions, en organisant en 1970 100 artistes dans la ville. Donc l'idée, ils revendiquent vraiment ces artistes un art politique, et ils vont aussi donc au-delà donc de repenser les moyens de diffusion de l'art, notamment ils vont exposer des petits multiples dans la librairie du Montpelliérain Hervé Hafner. Ils vont aussi bien sûr diffuser leur art de manière parfois très loufoque dans l'espace public. Donc notamment une des manifestations a lieu en 1969 dans le parc Issanka à Sète à l'occasion donc de la fête du Parti communiste. Et donc Vincent Bioulès va présenter cette toile donc intitulée du nom du parc Issanka, une œuvre qui est conservée aujourd'hui à Saint-Étienne en haut d'un arbre, quand Thiers d'Alkema lui va sur un cours d'eau mettre en place une bâche et intégrer des poissons rouges à son œuvre d'art. Donc on est vraiment dans une forme qui est aussi très très festive, très ludique chez ces anciens élèves de l'école des Beaux-Arts qui réalisent ensemble hein, comme ça des manifestations dans l'espace public, qui pour certaines vont prendre une plus grande ampleur, notamment lors de cette manifestation que je viens d'évoquer, où 100 artistes hein, venus de toute l'Europe vont être associés et prendre place hein, durant quelques jours dans différents lieux et l'espace public montpelliérain. Parallèlement, d'autres expositions en plein air se tiennent, et notamment à Coaraz, à l'initiative donc, du poète Jacques Lepage, hein, qui a beaucoup été associé donc, au mouvement Support Surface, et donc avec l'inauguration d'une série de manifestations dans des sites naturels. Donc, il me semble que la première a lieu en 68, là vous en voyez une de 69, et il y en aura une autre en 1970, avec donc toujours cette idée de déserter les institutions et les lieux culturels traditionnels, de les contester radicalement et bien sûr de donner à voir des œuvres dans un autre contexte. Donc là, vous voyez, la confrontation est assez parlante. Le contexte donc, d'origine de la présentation de ces 125 carrelés, aujourd'hui dans les collections du musée Fabre, rangées bien, bien proprement, mais avec voilà, cette volonté hein, vraiment de les intégrer à l'espace de circulation du village. Une autre série de manifestations va avoir lieu durant l'été 1970, donc une série comme ça d'installations
qui vont avoir lieu sur tout le pourtour méditerranéen, donc une manifestation qui aura un petit catalogue intitulé « Intérieur-extérieur ». Et donc Patrick Sétour, dont on voit une œuvre là à l'image, a souligné l'aspect participatif de ses œuvres et aussi cet aspect ludique qui quand même existait dans ses travaux. Donc je me permets d'énumérer la liste à la Prévert qui est assez drôle et touchante. Des enfants ont été déçus lorsque nous avons retiré des œuvres parce que cela perturbait le jeu qu'ils avaient créé avec elles. Un technicien de cinéma était convaincu que nous nous préparions à tourner des séquences de films. Un père et son fils ont récupéré les restes d'œuvres que nous avions oubliées. Ils s'en sont servis comme d'un parcours d'obstacles. Une femme s'est déclarée satisfaite après avoir obtenu de son mari l'assurance que tout n'était que des signaux pour être vu par des avions. Un groupe d'archéologues a démonté les matériaux et utilisé les toiles pour des excavations qu'ils croyaient être des balises d'une piste de motocross. Des joueurs de volley-ball utilisaient le filet tendu entre deux arbres. Les toiles étaient utilisées comme couverture, tente, tapis. Une famille s'est installée sur une des œuvres en attendant la suite. Donc ça, je pense que c'est vraiment quand même aussi au cœur de ce mouvement, qui est cette participation, aussi cet aléa qui est lié à la présentation des œuvres d'art dans l'espace public. Ce lien à l'espace social, à la vie quotidienne, et je finirai là-dessus, bien sûr, prend aussi sa place dans l'intégration de matériaux issus du quotidien, de matériaux de rebut que vont prélever nombre des artistes de ce mouvement et qui vont rechercher un vocabulaire volontairement pauvre, caractérisé par sa précarité et sa banalité, loin justement de la froideur presque clinique qu'on a dans l'art minimal et qui vraiment dissocie le mouvement support-surface de ce mouvement qui lui est contemporain américain. Donc on l'a vu tout à l'heure quand Vincent Bulès propose ces bâtonnets carrelés en bois teinté marqués par des imperfections. Et on le voit aussi ici avec les tôles usées de Pierre Buraglio. Donc Pierre Buraglio qui n'a pas fait partie du mouvement Support-Surface. Durant l'époque Support-Surface, il était ouvrier à l'usine. Il se remettra à peindre qu'après la fin du mouvement. Mais on retrouve vraiment les mêmes préoccupations. Et ici, l'artiste détourne de manière très poétique des tôles, des plaques de signalisation de métro parisien. Il en fait presque des petits poèmes, des petits haïkus plastiques. Claude Viala aussi, enfin, va avoir recours à des draps usagés, des vêtements, des bâches, des textiles qui contribueront à nier la frontière existante entre les beaux-arts et les arts appliqués. Enfin, un artiste dont je n'ai encore pas parlé, c'est Bernard Pagès, qui a été l'un des autres, avec Tony Grand et Daniel Dezeuse, sculpteur de ce mouvement, et qui, lui, va aller très loin dans ce travail à partir du matériau de rebut, de récupération, en créant comme ça des arrangements associant des branchages et des briques creuses de diverses qualités, donc des objets qu'il va prélever. Il va s'intéresser aux caractéristiques propres de ces matériaux, l'horizontalité, la verticalité, l'usage également de ces matériaux. Et il dira sur ces arrangements que ce sont des sculptures dont les matériaux ne sont pas transformés. C'est la transformation de deux matériaux sur lesquels je n'interviens pas et que je qualifie d'arrangement. Deux volumes identiques de briques et de bûches, par exemple, sont disposés comme le veut l'usage de chacun de ces matériaux. Je n'interviens pas dans la manière de les installer, je ne les transforme pas, je n'utilise pas d'outils. Donc là, je vous montre également une œuvre de Claude Viala, qui donc est bien sûr connue pour ses bâges, avec cette technique de l'empreinte. J'en ai pas beaucoup parlé de la question de l'empreinte, qui marque aussi beaucoup les artistes du mouvement support-surface et qui ont beaucoup lu Le Roi Gourand, qui parle beaucoup. Et là, avec là encore, ces colorants, ces cordes sur tissu, comme ça, qui tombent et qui reprennent. Et on retrouve cette forme molle qu'on avait notamment chez Robert Morris et dans l'antiforme américain. Donc c'est ainsi qu'on souhaitait conclure cette conférence. Pour ma part, en soulignant comment le mouvement support-surface a ce lien, cette volonté de lien à la vie, à l'expérience quotidienne, à la société. Donc un lien qui est certainement utopique, mais qui est à l'œuvre dans ces utopies des années 60-70. Et malgré la brièveté du mouvement,
les questions donc, de précarité des matériaux, d'environnement des œuvres, l'osmose entre art et artisanat. Hein, Louis Kahn se qualifiait notamment d'artiste peintre. On nourrit les artistes des générations suivantes et encore jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, le mouvement a été bref, mais les artistes ont beaucoup produit, vous l'avez vu, Maud vous l'a montré. Ils ont beaucoup écrit et nous avons beaucoup parlé. Merci de votre patience.